All right, let's go, boys. Wait, what? Oh, les trois. Ah ouais, let's go. Les trois. Suivez live. Je suis pas trop sûr de comprendre. Pas trop sûr de comprendre quoi? Pourtant, tu l'as signé toi-même, le pack? Avec ton propre sang, on t'a même coupé le doigt. C'est bien. Fait que les gars, on va se recroiser, bien évidemment, j'espère que ça se passera pas comme la plupart du temps ça se passe. Fait que je vais vous demander de consommer ça ici. Puis moi, ben, je vais vous dire un au revoir, même si vous en rappellerez plus en pas long. Alright. Yes. Let's go. Au revoir. Bonne nuit. Bonne nuit. Je regarde, mais. Alright. J'ai signé pour. Fait que... Oui, t'as signé pour, je te le confirme. J'ai même un beau petit calepin là avec ton empreinte digitale pis ton sang dessus. Ouais. Pis j'ai fait des grosses erreurs pis je sais très bien que j'assume à 100% ce que j'ai fait. Parce que tu sais que tu t'en sortiras pas aujourd'hui. Hein. Plata. A la mierda Juni Bucada, a la mierda los que están. Vamos a demostrar a esos hijos de putas con quién se están metiendo, porque nosotros aún somos el cartel de Medellín y esta noche vamos a tomar este mal parido Monte Castillo. I got my mind on making money, but you stuck on these fake bitches. I stay blunted and never fronted, and I doubt if I do. Cause if I did, then I'd get beat up by my fucking crew. A real nigga said you figure that you ready to box. You catching up from my nigga Freddy Fox. You really don't want none for pop, cause I be strapped with a clock. And throw things like I'm born to box. I hit this motherfucking gin and I'll be all in. Hell yeah, young nigga straight ballin'. And everybody wants to see it from a G weighing 165. And I'm high till I fucking die. Thug life in this motherfucker catching wreck. Big stretch hit me off when I hit the set. But now I'm cool cause I'm tipsy and I feel a nigga trying to see it from a killer. Come on. Let's get it over with. Yo, Soundboy, turn the levels up. Let's get it over with. We run the city. Seven squad up in this motherfucker. Where my real niggas at? My Bronx niggas, my Fars niggas. Salut. Yo. Embarque avec moi, s'il te plaît. Quel ici ou l'autre? Quand on va arriver là-bas, là, tu resteras dans le véhicule, puis je vais venir te chercher. Il y a pas de ça, au bon moment. Tu veux mettre mon masque, hein? Yes. Ok. Comme t'as pu le comprendre, tu sais ce qui t'attend aujourd'hui. Tout à fait. Alright, alright. Tu connais la routine, hein, malheureusement. tu connais ça. Fait que un par un, on va te parler, puis on va te dire ce qu'on a à te dire avant de te dire un au revoir ou pas, pour ma part. Puis après ça, j'ai une belle petite surprise derrière toi, mais regarde pas tout de suite si ça te dérange pas, mais même si ça te dérange, moi, Chris. Fait que. Ah ouais. Okay. On va commencer par les deux qui te connaissent pas, s'il vous plaît. On commence par Beef. Hola. Moi, je t'ai pas connu vraiment dans ces circonstances-là, mais tu sais que ce que le cartel veulent pas, eux autres, c'est du monde qui snitch. Puis toi, ben, t'as fait tout le contraire de ce qu'ils veulent, fait que tu serais juste à brûler en enfer comme une merde. Mmh. Salutations, Yann. Ça va bien? Ça pourrait aller mieux. Je sais qu'on connaît pas trop, mais bon, tu sais, je t'ai donné un peu de respect. J'ai pris de mon temps pour te faire un petit discours. Ça t'entends-tu de l'entendre? Ouais, vas-y donc. Ok, c'est bon. Bon. Je te dis ça. Moi, je me présente, c'est Nesco. On s'est sûrement déjà pris couple de fois. Je sais pas si tu me connais en particulier. Mais moi, j'ai su une chose, c'était un sale rat. Puis moi, les rats, je les extermine. Fait que là, comme tu as pu le constater aujourd'hui, c'est ton dernier jour.
Puis la seule façon de passer d'un cartel, c'est de mourir. Fait que c'est pour ça que aujourd'hui, c'est ton jour de chance. C'est un au revoir. Alright. Vegas. Bon. Salut, OG. Yes. Ça va? Non. Manquerait ça un peu. Pas te mentir, je t'ai déjà apprécié. T'as été mon OG pendant un certain moment quand même. Puis t'as rejoint le Sangro. C'est même lui qui est allé te chercher. Fait que... C'est ça que j'ai fait la pire erreur de ma vie, qui est d'avoir sorti ton nom cette soirée-là à la table. Pour vrai, tu m'as déçu, j'ai cru que t'étais un bon, puis ce que t'as fait, c'est impardonnable. Puis comme un grand homme a dit, snitches get stitches. C'est et comme tu nous as bien cité lors de ton pack de sang, je jure ne jamais dévoiler aucune information qui pourrait nuire à la famille, sinon j'accepte la rose qui sera déposée sur mon cercueil. Ben c'est aujourd'hui ton grand jour, mon chum. Fait que j'espère que t'aimes les poissons. Bones. Salut mon beau. Hola. Comment est-ce qu'il va? Je réponds la même chose que les autres. Ça ne va pas très bien. Ah oui, oui, oui. Hey! Tu sais, toi et puis moi, on était quand même pas... T'es correct. Correct. Je t'aimais bien. Mais je suis content que tu fasses l'irréprochable. Ben... J'ai passé le contrat de toi. Puis maintenant, je t'ai la face à mourir. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis pour toutes les fois, là, au Benny, là, tu m'as dit, ah, je vais t'en coller ici une, tu veux que je te drop site. Hein? T'en rappelles-tu de celle-là? T'en rappelles, ouais, hein? Je me rappelle. Ouais, tu t'en rappelles à Chris. Hein? Mais aujourd'hui, là, c'est moi qui vais te drop dread site. Ah, oh, fuck. Tu te relèveras pas, en plus. Fait que je te souhaite bon voyage en enfer. Puis c'est tout, rien d'autre à. Moi, j'avoue, j'ai rien préparé. Pour pas que ça en valait la peine. Ça va bien, on t'a accepté à Brocanvoir. Ça a bien parti, avec les conneries que t'as faites par exemple. T'es parti, t'es revenu. C'est. J'ai pas de mots pour décrire ce que t'as fait. T'as de l'air d'un rat, t'es un rat. Moi, je commencerai pas en te demandant comment tu vas. Parce que vraiment, je pense que t'as répondu à 4 ou 5 personnes. Rends-tu là. Ça va pas bien que t'ailles bien. Ça m'importe peu. Moi, là, je me souviens à la table de meeting quand Vegas et Jug ont mentionné ton nom. On a su que t'avais beaucoup de potentiel. Notamment quand t'es rentré, t'as montré ton potentiel. Mm-hmm. Moi, je savais que t'étais un bon. Mais tu me faisais des passes des fois, là, qui n'avaient pas de Christi de bon sens. Et le nombre de fois que je t'ai sauvé de tout le monde qui voulait te colisser dehors. À la fin, le gros, il y avait rien que moi qui voulait te garder. Pourtant, j'étais encore là, debout, à te garder, puis toi, man, tu m'as renversé l'appareil. Ben, regarde, là. Tu m'as dit, fuck. Non, c'est pas ça. Fuck tout ce que tu m'as fait. Je t'ai donné des opportunités, le gros. T'avais pas idée de ce que t'avais en tes mains, legit. Je suis conscient, puis, t'inquiète. T'avais la meilleure famille pour t'accueillir, puis t'as tout gâché ce que t'avais. Non, vraiment dommage. Moi, pas te mentir, ça m'a fait mal en tabarnak quand t'es parti. Encore aujourd'hui, ça me fait un point sur le cœur en crise parce que moi, je t'aimais. On avait collissement du fun ensemble. Yeah. Comme les autres ont dit, snitches get stitches. Aujourd'hui, tu vas payer pour ce que t'as fait. Si toi, Vegas, il a piqué son frère. Puis moi, on dirait que je me sens comme si j'allais tuer un frère. Puis pourtant, ça me fait pas un plus à la poche de plus. Mm-hmm. Fait que. M'a te laissé. Tu peux finir de fumer ta smoke pendant que Taz va dire ce dernier mot, mais. Moi, j'ai fini. Ah, Grant. Il y en a eu de la merde, hein, quand même. 100%. L'impulsivité, de la rage, il y en a eu, hein? Un peu trop, hein? Pourtant, j'ai resté serein avec toi. On s'entend-tu là-dessus? Clairement. Je t'en ai laissé des chances, on s'entend-tu là-dessus? Ouais, plus qu'une fois, même. Yes. Malheureusement, il y en a beaucoup qui l'ont mentionné, mais
T'en as pas une infinité de chance, puis normalement, j'en donne pas 20. T'as été chanceux de toffer autant longtemps dans mes rangs. J'espère que t'en es conscient, mais que t'en sois conscient ou pas, ça va se finir aujourd'hui, fait que ça change plus rien pour toi. Comme je t'ai dit, en t'enlevant ton petit sac à patates, je t'ai réservé quelqu'un qui en a plus gros à dire que beaucoup de monde ici. Okay. Puis si je peux rajouter une dernière affaire, une des choses que je déteste le plus au sein de d'une équipe, c'est les gens qui montent des personnes contre d'autres personnes. J'espère que tu comprends ce que je veux dire par là. 100%. Sur ce, ben, Mademoiselle Perry, je te demanderai de t'avancer, s'il te plaît. Oh my God. Je vais la laisser parler. J'espère que tu vas l'écouter avec une belle oreille. Écoute, je passerai pas par quatre chemins, là. Tu sais, dans la vie, je suis pas une personne qui souhaite le mal à quelqu'un puis qui souhaite tout le malheur du monde, mais Chris, que toi, man, je t'ai souhaité que le karma t'arrive d'en face. Yes. Puis très souvent même, puis je te dis, là, je t'aurais sauté d'en face une couple de fois, là. Puis je l'ai jamais fait parce que j'ai un peu trop de respect envers moi-même. Tu nous as brisés, moi puis ma soeur, littéralement. Tu nous as volé une famille dans laquelle on a mis énormément de temps, de notre temps. Ma soeur, elle l'a tellement mal pris qu'elle est partie pour certaines circonstances, mais celle-là en fait partie. Mais il y a un positif là-dedans, c'est que je me suis rapprochée de certaines personnes. Puis là-dedans, j'ai aussi appris que je pouvais pas faire confiance à quelqu'un que je pensais être mon ami. Parce que oui, je pensais que tu étais un de mes amis. Puis au final, ben, tu nous as juste joué dans le tour. Je sais que ma soeur, elle aimerait ça être là en ce moment, puis qu'elle peut pas, puis je sais que je vais la citer parce que je sais qu'elle dirait ça. Elle dirait que t'es un Christ de tout face, puis tu mérites ce qui t'arrive. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça ici. Affirmatif. Sur ce, écoute, je te dis bonne chance en enfer, parce que je pense pas que tu vas avoir ben de la chance.